Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ici dans les environs de Charleroi, à Girpine. C'est la ferme du Rabuzet que tiennent Anne-Marie, Bernard et Frédéric, plus connus encore comme producteurs de fromage, notamment la fameuse Tomme avec cette célèbre recette savoyarde. Il y a également le Rigaudon, le Brie belge, bien d'autres variétés encore. Et puis nous ferons une promenade découverte, un rallye entre Sambre et Meuse, une émission, vous l'avez compris, tout à fait destinée aux gourmands que vous êtes. La ferme de Rabuzet est une ferme familiale installée entre Sambre et Meuse depuis 5 générations. Dans cette ferme spécialisée dans la production laitière, chacun à sa place, Bernard et Frédéric, père et fils à la production et Anne-Marie à la transformation. En 1997, avec le retour de Frédéric à la ferme, il fallait se diversifier et trouver une nouvelle activité. Anne-Marie décida alors de fabriquer du fromage avec le succès que l'on connaît. Une Tomme reconnue, récompensée par les prix agricoles les plus prestigieux et des fromages de type Saint-Paulin aux recettes et aux goûts originaux. Un parcours atypique pour une réussite unique. Anne-Marie, Frédéric, mère et fils. Alors Anne-Marie, c'est vous qui avez eu l'idée de faire du fromage, ça vous est venu d'où ? Quand Frédéric a terminé à l'école d'agriculture à Ciney, nous avons choisi cette diversification. Mais c'est vous qui faites le fromage ? Oui, c'est moi qui fais le fromage. Et Frédéric, il fait quoi, lui, alors ? Frédéric, il s'occupe surtout de la nourriture des bêtes, tout ce qui concerne l'élevage, lui. Alors, l'élevage, vous avez combien de bêtes ? Non, une centaine de bêtes au total, et dont une cinquantaine de vaches pour traire. C'est ça. Et donc uniquement des laitières. Tout à fait. C'est ça. Et alors vous vous occupez donc du bétail, mais si j'ai bien compris, ici il y a une maîtrise totale puisque vous cultivez également ce que vous leur donnez à manger. Oui, c'est-à-dire le maïs et l'herbe sont cultivés chez nous, donc en circuit fermé, si je puis dire ainsi. Et nous achetons un tout petit peu de soja pour équilibrer la ration à l'extérieur. Alors évidemment, quand on a un bon producteur de lait, on a envie de faire du bon fromage. L'aventure commence aussi, malgré tout, par une formation. Ça ne s'improvise pas d'apprendre à faire du fromage. Non, ça ne s'improvise pas du tout. Je suis allée suivre une formation à la vitrine de l'odeur avec un chevrier. Et ensuite, j'ai suivi les cours HACCP à l'université à Jean Blot. C'est des cours qui ont pris combien de temps, ça, au total ? Au total, 6-7 mois à peu près. Ah oui, quand même. Oui, et oui. Vous en faites depuis combien de temps maintenant du fromage ? Depuis 1998 à peu près. C'est ça, d'accord. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites pour demander à Frédéric qu'il vous donne du lait qui est toujours constant et le même pendant toute l'année ? Le lait n'est jamais constant, n'est jamais le même pendant toute l'année. Ça veut dire que, donc, en fonction de ce qu'elle mange, le lait évolue. Tout à fait. Hein? Il y a la mise à l'herbe au printemps, ou alors, ici, l'entrée d'hiver, comme on va y aller tout doucement, ben, la nourriture change, puisqu'on n'aura pas le même fourrage. Donc, oui. Et ça... alors, vous vous adaptez ? Oui. Oui, oui. Ou c'est le fromage qui change, qui s'adapte ? Le fromage change aussi. Alors, bon, il y a... beaucoup de variétés dans tout ce que vous faites. Il y a la Tomme, on en a parlé, il y a le Brie, il y a le Rigaudon. Alors le Rigaudon, c'est vraiment un fromage très local, d'ailleurs qui porte un nom très local, et que vous affinez avec une bière aussi très locale. Très local, oui. Le Rigaudon est un fromage typiquement gerpinois, puisque je suis la seule à le faire aussi. Hein. C'est un fromage type Saint-Paulin, affiné avec la bière brune de la cuvée gerpinoise. N'en dites pas plus, on va savoir davantage sur votre manière de le fabriquer avec Marianne Virlet. Les fromages produits à la ferme sont des fromages au lait cru de vache. Après la traite, le lait prend la direction de la fromagerie. Aujourd'hui, Anne-Marie fabrique le Rigaudon, la spécialité de la maison. Rigaudon, c'est le nom d'un air de tambour, donc joué par les tambours lors des marches folkloriques de notre Sambre-et-Meuse. Alors
Alors, c'est un fromage qui a été créé en 1994, en avril, si je ne me trompe, par M. Mersch, un agriculteur d'Igné, en collaboration avec M. Delbert, qui, lui, a fourni la bière, la cuvée gerpinoise, qui accompagne le rigodon. C'est un fromage type Saint-Paulin, donc qui est affiné à la bière, la cuvée gerpinoise. Voilà. Ici, j'ai mis 200 litres de lait. Et il faut savoir que pour faire un fromage, il me faut 3 litres de lait. Donc quand le lait est arrivé ici dans la cuve, on y incorpore les ferments qui sont travaillés pendant une demi-heure, plus ou moins. Ensuite, on incorpore la présure et la présure travaille encore plus ou moins pendant une demi-heure. Ici, je suis occupée à couper le cahier. Je dois le réduire à la grosseur d'un grain de café. C'est une opération qui dure à peu près 10 minutes. On soutire une partie du lactosérum, on lave le cahier et ensuite on met le cahier dans les moules pour être mis après sous presse pendant plus ou moins une heure et demie. Voilà, le fromage est maintenant pressé. Je vais donc le démouler. Le voici donc tout frais. Je vais enlever le petit surplus ici. Il est bon maintenant à mettre en saumure pendant jusque demain matin. Ensuite, il sera mis sur des planches de hêtre pendant un mois et retourné tous les deux jours. Et après un mois, il sera plongé dans la bière, la cuvée gerpinoise. Alors, vous m'emmenez où, là? À la cave. Je vais voir les tomes. Alors, comment est-ce qu'on a l'idée de faire une tome de Savoie en Wallonie? Ah, c'est une tome, en fait. On ne peut pas dire une tome de Savoie. Non, non, c'est une recette d'une tome de Savoie. Ce sont très précis. Nuance importante. Nuance importante, voilà. Et ceux-là, ils sont là depuis un petit temps? Non, ils ont à peu près 3 semaines comme ils sont là. Ah. C'est ce qu'on appelle un poil du chat. Mais oui. C'est ce qui va aider ma croûte à se faire tout doucement. Ah non, c'est normal, ça fait partie du processus. Tout à fait normal. Oui. Il ne faut pas les nettoyer tous les jours, les retourner? Tous les deux jours, je viens retourner et le fromage et la planche. Ah, comme d'accord. Ça, le fromage se sèche bien. D'accord, ok. Et alors, quand ils arrivent, comme à ce stade-ci, oui. Lui, il a à peu près 6 semaines de cave, consommando. Oui. Alors là, je prends le fromage et je passe ma main dessus, comme ça. Ah, pour oui. Faire partir justement le poil, c'est ce qu'on appelle le poil de chat. Le poil de chat. Et je le retourne et puis je le pose sur la planche. D'accord. Voilà. Alors cette tome, elle est prête là, presque là dans l'état dans lequel elle est. Oui, elle est prête. Je vous invite d'ailleurs à le déguster si vous souhaitez. Ah, voilà. Non, mais si je sens que vous avez compris tout de suite quel était mon petit appel. Donc ça c'est la tome. Ça c'est la tome. Voilà. D'accord. Bon. La croûte est une croûte naturelle. Hein. Donc vous pouvez les manger. Excellent. Oui, bon, gardez tout ça, il est difficile de parler tout en mangeant de la tome. Alors, c'est un fromage qui a été récompensé. Oui, effectivement. Il a reçu le coq de cristal et il a reçu différentes médailles d'or à la Capelle Anti-RH. La Capelle Anti-RH, c'est en France. En France, effectivement, oui. Alors, le coq de cristal, c'est important. Effectivement. Ça importe quoi pour un producteur comme vous? Oh, ça apporte une très grande reconnaissance, franchement, oui. Et alors, quand on participe à un concours, est-ce qu'on a, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle un feedback, donc un retour avec des avis qui vous permettent éventuellement d'en tirer des leçons? Oui, effectivement. Oui. Nous recevons un courrier qui nous dit ce qui a été apprécié dans le fromage ou pas, et alors à nous de voir en fonction de l'avis que nous recevons, comment nous devons, je veux dire, nous remettre en question pour à nouveau nous améliorer. C'est ça. En attendant, eh bien, moi, je vous propose d'aller faire une petite visite dans les environs. C'est un rallye gourmand entre Sambre et Meuse, une manière de découvrir à la fois le terroir, mais aussi la région. Bon, Anne-Marie, il y a quand même pas mal de variétés de fromages. Hein. Oui. Donc on a la tome de Rabusé, il y a... La voilà. Donc c'est ça. Voilà, la tome de Rabusé. Magnifique. Il y a le rigodon. Et il y a combien d'autres variétés? Ça, c'est le rigodon. Ça, c'est le rigodon. Ouais, voilà, ça, c'est le rigodon. Mm-hmm. Alors, vous avez ici le fromage sans brémeuse
qui est à la base le même fromage que le Rigaudon, mais qui est affiné avec la bière sans brémeuse, qui est une bière ambrée. Oui, et dans ceux-là, là, ici, il y a quelle variété ? Là, vous avez soit un Rigaudon ou un Tartuffe. Je vous invite d'ailleurs à le déguster si vous souhaitez. Allez, bougez pas, parce que c'est lourd. Le Tartuffe. Le Tartuffe. Oui, ça c'est... Donc c'est un fromage type Saint-Paulin avec de la tartufata. Et la tartufata est un mélange de truffes, d'olives et de champignons. Mmh. Oh, c'est bon. En dehors de tout ce que vous faites ici, on peut venir, bien sûr, chez vous, chercher tous ces fromages, mais vous les distribuez ailleurs aussi ? Oui, bien sûr, à la boucherie de Limousin de la 900, par exemple, ou alors dans des restaurants Gerpines. Ah oui. Le Nuit Saint-Georges, le Sambre-et-Meuse, le Délice du Jour. Ce sont trois restaurants qui travaillent beaucoup avec nos fromages. Mais vous tenez à rester à dimension artisanale. Hein. Tout à fait, oui. On ne vous confronte pas avec Rochefort, Chimay ou d'autres. Non, surtout pas. Moi, je veux rester artisanal. Mm-hmm. Je préfère assurer la qualité plutôt que la quantité. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour créer des nouveautés ? Parce que j'ai cru comprendre, il y en a encore en tête, là, pour l'instant. Oui, il y en a encore beaucoup en tête. Soit dans des livres de recettes, ou dans des émissions culinaires comme les carnets de Julie. Ah, oui. D'ailleurs, elle m'a donné l'inspiration pour un nouveau fromage, que je ne manquerai pas de faire, et je vous tiendrai au courant. Bon, qu'est-ce que j'ai pas goûté, moi, là, Le Rigaudon. Le Rigaudon, c'est celui-là. Hein, là, d'accord, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je goûte ça, je reviens à vous tout de suite, mais regardez bien tranquillement chez vous l'agenda. Ça, c'est vraiment la bière de coin, ça. Oui, ouais. Ça, c'est la gerpinoise. Ouais. Mmh. Alors, attends, je ne vais pas vous dire. Ouais. Le Rigaudon, voilà. Rigaudon. Ici. Rigaudon. S'il vous plaît. Mais, c'est plein de bonnes bactéries, hein, avec les... Excellent. C'est très bon pour les intestins. Ben voilà, petit tableau de famille pour terminer, n'est-ce pas ? Avec la bière, la gerpinoise. Alors, la gerpinoise, elle évolue aussi en fonction des brassins. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment une bière artisanale du coin, ça. Très artisanale, oui. C'est la bière des marcheurs. Des marcheurs. Hein, d'entre Sambre et Meuse. Alors, la génération suit déjà. Hein, présentez-nous, Frédéric. Ah, ben, c'est ma fille Elsa. Mmh. Donc ben, l'avenir nous apprendra si elle suivra ou pas. Nous verrons. À suivre. Elle aime déjà bien le fromage. Tout à fait, le fromage. Bon, elle est délicieuse, hein. Une petite amertume comme ça qu'on retrouve. Je trouve qu'on le retrouve bien dans le Rigaudon. Oui, on sort bien dans le goût, dans le fromage. Oui, exactement. Bon, allez, on va terminer ça. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, on peut enchaîner presque, parce que le fromage et le sirop, ça se marie très bien. Effectivement. Eh bien, la semaine prochaine, c'est le sirop dans la région d'Aubel que nous avons découvert. Du bon pain, tout cela, eh bien, c'est le menu que nous vous proposerons dans la prochaine émission La Clé des Champs. Merci en tout cas de votre accueil. Bravo Anne-Marie et puis à tous ceux qui l'entourent. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci de votre visite. Merci. Avec plaisir. Bon, je n'ai pas fini ma visite. Hein. Elle peut commencer maintenant que je suis arrivé. Il y a à manger, voilà, justement. Il y a également le Rigaudon, il y a le Bribège, bien d'autres encore. Le Rigaudon. Et c'était quoi ? Le Rigaudon. Oh, Dieu. Il y a également le Rigaudon. C'est pas le Rigaudon. Si ? Ah ben, voilà.